Le genre 4X pour Explore, Expand, Exploit, Exterminate fait partie des sous-genres les plus populaires des jeux de stratégie gestion. Si le tout premier jeu du genre remonte à 1983 avec Reach for the Stars sur Commodore 64, c'est véritablement le designer Sid Meier qui lui donnera ses lettres de noblesse en 1991 avec le premier épisode d'une série qui deviendra légendaire, Civilization. Quelque part, sur un petit bout de continent, sur une planète qui ressemble à la Terre, un chariot de colons fonde une ville. Cette ville grandira, exploitant les ressources alentour. Elle entraînera des guerriers pour se protéger des hordes barbares en maraude, puis enverra des colons fonder de nouvelles cités. Des sages inventeront l'écriture, la poterie, le travail du bronze, la roue. Les despotes des premiers âges laisseront leur place à de nouveaux types de gouvernements, plus égalitaires. Le temps passera, la civilisation grandira. Tôt ou tard, elle fera la rencontre d'autres peuples, plus ou moins avancés, plus ou moins hostiles. Elle formera des alliances, échangera des connaissances, entrera en guerre. La technologie continuera de progresser. Cavaliers en armure, armes à feu, tanks, navires de guerre, avions. Ces cités se compteront par dizaines. Elle bâtira des merveilles, se lancera à la conquête de l'espace. Et peut-être deviendra éternelle. Civilization, conçu par Sid Meier avec l'aide de Bruce Shelley, un designer plus âgé issu du monde du jeu de plateau, propose aux joueurs de présider à la destinée de cette civilisation et de retracer l'histoire de l'humanité. La partie commence à la sortie de la préhistoire, 4000 ans avant Jésus-Christ, et se termine lorsque l'une des civilisations a conquis toutes les autres, ou bien est la première à faire décoller une mission habitée vers la lointaine étoile Alpha du Centaure. Le jeu se déroule tour par tour, et deviendra légendaire pour son caractère hautement addictif. Il n'est pas rare de commencer une partie de Civilization, ou Civ pour les intimes, en début de soirée, et de ne pas arriver à décrocher avant que n'apparaissent les premières lueurs de l'aube. Et pourtant, on s'était promis de ne jouer qu'un tour de plus. Chaque civilisation, des Aztèques aux Romains, en passant par les Mongols, les Français, les Américains ou encore les Japonais, a son leader emblématique et son petit caractère inspiré de l'histoire avec un grand H. Ce qui n'empêche pas quelques bizarreries. Un fameux bug rend Gandhi, le chef emblématique des Indiens, ultra agressif. C'est toujours assez cocasse de voir le champion de la non-violence brandir la menace de ses armes nucléaires à tout va. Civilization est en partie inspiré du jeu de plateau du même nom créé par Francis Tresham en 1980. Le jeu de plateau est très différent du jeu vidéo, et d'ailleurs Sid Meier a souvent minimisé son impact. Mais certains concepts de l'un se retrouvent assez nettement dans l'autre, notamment l'arbre des technologies. Microprose fera l'acquisition de la licence du jeu de plateau afin de pouvoir utiliser le nom Civilization. Ce qui reste assez frappant dans ce premier Civilization, encore à ce jour, c'est son accessibilité. L'interface est étonnamment simple et claire, et le joueur est pris par la main dès les premières heures de jeu par des messages de tutoriel lui donnant des pistes pour développer sa civilisation. Malgré ses graphismes parfois un peu simplistes, le jeu a donc étonnamment bien vieilli et reste encore très jouable aujourd'hui, 25 ans après sa sortie. Avec SimCity, Civilization fait partie de ces jeux qui ont permis au grand public de réaliser le potentiel éducatif et la profondeur que pouvaient posséder les jeux vidéo. Le jeu sera porté sur de nombreuses machines, y compris sur consoles de salon. En 1994, Microprose reprend le moteur de Civilization afin de réaliser un autre jeu, Colonization. Malgré la présence du nom Sid Meier dans le titre du jeu, celui-ci ne sera quasiment pas impliqué dans sa conception. C'est Brian Reynolds, souvent considéré comme le poulain de Sid Meier, qui sera le designer de ce spin-off. Colonization s'intéresse spécifiquement à la conquête des Amériques à partir de la fin du XVe siècle. Il s'agit d'établir ses colonies, de nouer des relations avec les populations locales, d'organiser des expéditions apportant des vivres, du matériel et des colons depuis la mère patrie, etc. À la fin de la partie, le joueur finira par déclarer son indépendance et devra tenir tête à la flotte venue reprendre ses terres par la force. Assez différent de Civ et plutôt intéressant, Colonization n'a pas l'aura de son prédécesseur, mais reste néanmoins un excellent jeu. En 1996, l'équipe de Sid Meier revisite Civilization avec Civilization 2. C'est Brian Reynolds qui en est le principal concepteur. Proposant un gameplay très similaire à celui du jeu d'origine, Civ 2 en étoffe toutefois la formule en proposant de nouvelles options diplomatiques, de nouvelles technologies et de nouvelles merveilles à bâtir. Bon d'accord, on se demande s'il est vraiment sage de qualifier la croisade du roi Richard de merveille du monde, mais on va dire que ça fait partie des excentricités de la série. Parmi les autres nouveautés, notons la présence du Conseil des ministres, 5 personnages hauts en couleur apportant beaucoup d'humour au titre. La construction des merveilles s'accompagne également de petites vidéos, et l'aspect éducatif n'est pas oublié au travers du Civilopédia, une encyclopédie accessible durant la partie.
Graphiquement très soigné, Civ 2 remportera un immense succès, connaîtra de multiples extensions comme Conflicts in Civilization et Fantastic Worlds. Ce dernier transposant le gameplay de la série dans des univers moins réalistes issus d'autres franchises microprose comme Master of Magic ou XCOM. Le jeu ressortira également en 1999 dans une nouvelle version à l'interface retravaillée sous le nom Civilization 2 Test of Time. Suite à un désaccord avec la nouvelle direction de Microprose, qui venait alors d'être rachetée par Hasbro, l'équipe de Sid Meier fait sécession et fonde un nouveau studio, Firaxis Games. Ne possédant pas les droits sur la marque Civilization, l'équipe a l'idée d'en réaliser une suite spirituelle relatant les aventures des colons humains arrivant sur une planète habitable dans le système stellaire d'Alpha du Centaure. Très inspiré des grands classiques de la hard science fiction, Alpha Centauri est beaucoup plus scénarisé que la série Civilization, même si la filiation entre les deux titres est assez flagrante. C'est une fois de plus Brian Reynolds qui sera le designer principal du jeu. Dans Alpha Centauri, le joueur prendra le contrôle d'une des sept factions formées après le crash sur la planète Chiron. Chaque faction a une culture et une identité très fortes. Les filles de Gaïa sont farouchement écologistes. L'université planétaire recherche le progrès scientifique à tout prix. Les industries Morgan prônent le capitalisme. La fédération spartiate cherche la domination militaire, et ainsi de suite. Aux joueurs de garder ça en tête lorsqu'ils devront négocier avec l'une ou l'autre faction. La grande nouveauté de gameplay apportée par Alpha Centauri par rapport à Civilization est la possibilité d'automatiser énormément de choses, des comportements des unités au développement des colonies. Le joueur peut donc se concentrer sur la gestion à haut niveau de son peuple. L'arbre des technologies est également très touffu et il est possible de customiser ses unités pour tirer parti des nouveaux progrès découverts par les scientifiques. Un peu plus tard la même année, Firaxis sortira Alien Crossfire, une extension ajoutant 7 nouveaux peuples et notamment 2 cultures extraterrestres. Malheureusement, malgré des critiques élogieuses, Alpha Centauri, peut-être un peu trop alien pour la majorité des joueurs, ne sera pas un gros succès commercial. En 2001, Hasbro revend Microprose à l'éditeur français Infogram, qui allait bientôt adopter le nom Atari à l'international. Infogram propose à Firaxis de réaliser un nouveau Civilization. C'est Jeff Briggs, un designer ayant œuvré sur Civ 2 et Alpha Centauri aux côtés de Brian Reynolds, qui prend les commandes de ce troisième épisode. Civ 3 est bâti sur les bases d'Alpha Centauri, et on retrouve beaucoup de similitudes de gameplay et d'interface entre les deux jeux, même si certains regretteront de ne pas retrouver certaines mécaniques d'Alpha Centauri dans le nouveau Civ. D'autres trouveront le jeu un peu trop différent de Civ 1 et 2. Civilization 3 propose quelques nouveautés par rapport aux deux épisodes fondateurs. Parmi celles-ci, on notera le fait que les unités militaires gagnent de l'expérience et peuvent atteindre le statut de vétérans. La distinction entre merveilles mineures, qui peuvent être bâties par toutes les civilisations, et majeures, qui ne peuvent être bâties que par une seule. Ou encore le fait que les cités possèdent un rayonnement culturel facilitant l'assimilation de leurs voisines. Les nationalités des citoyens sont désormais prises en compte. Lorsqu'une cité est conquise militairement, ses habitants sont réfractaires à leur nouveau seigneur pendant plusieurs années, avant de finalement adopter la nouvelle culture. Le jeu offre également davantage de façons de gagner la partie. Outre la conquête militaire et le décollage vers Alpha du Centaure, Civ 3 permet également de remporter des victoires culturelles ou même diplomatiques en se faisant élire à la tête des Nations Unies. Civ 3 est donc un jeu très complet, encore une fois très riche. S'il a un défaut, c'est bien sa gestion des armées un peu vieillotte, qui ne permet pas par exemple de grouper des unités alors que c'était possible dans Alpha Centauri. L'absence de mode multijoueur à la sortie fut également pointée du doigt. La série Civilization reste encore aujourd'hui une référence du 4X. Désormais en 3D, la série a connu plusieurs nouveaux épisodes au cours de la dernière décennie. Du très bon Civilization 4, qui a privé de sommeil de nombreux joueurs, à Civilization 5, qui n'a pas fait l'unanimité auprès des fans, en passant par Civilization Revolution 1 et 2, des versions allégées pour consoles et mobiles, ou plus récemment Civilization Beyond Earth, qui propose de partir à la conquête d'une lointaine planète. Les derniers épisodes en date ont d'ailleurs fait l'objet de critiques sur nos lives.